Hello, c'est ma biche. Aujourd'hui, petite nouveauté, je vous propose une capsule vidéo en attendant mon émission Le Cercle spécial Montréal. Si vous avez 2 minutes, c'est parti! J'ai eu la chance de découvrir le mois dernier, lors de mon voyage à Montréal, les Loop Sessions, et j'ai eu envie de partager ça avec vous. C'est une bonne idée, hein? Alors, Loop Session, c'est quoi? C'est un événement qui réunit les beatfuzzers montréalais sous un même toit pour une rencontre de création et de réseautage. Ce projet est proposé par Artbeat Montréal, qui est une plateforme qui a été fondée en 2011 et qui fait la promo de la scène locale de beatmakers. Elle a propulsé, entre autres, des talents comme Ketranada, High Classified ou encore Dapi. Loop Session a été fondée en 2016 par Dr. Mad, qui est DJ, producteur, beatmaker et aussi cofondateur de la soirée Voyage Funkastique, et par le producteur Lou Pienza. Les Loop Sessions sont inspirés des Beat Brasilis, soirée hebdomadaire ayant lieu à la Casa Brasilis, café et disquaire qui se trouve à Sao Paulo au Brésil. Alors comment ça se passe à Montréal? Déjà, ça se déroule au disquaire 180 grammes, qui vient d'ailleurs tout juste de déménager, avenue de Lorignier. La session commence à partir de 17h et la première personne arrivée sélectionne le vinyle à échantillonner. Pour cette édition, le vinyle sélectionné était Diane Tell en flèche, où tu peux retrouver dessus le célèbre titre « Si j'étais un homme ». Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Chaque beatmaker doit sampler sur ce vinyle uniquement avec l'équipement de son choix. Il s'installe partout dans le disquaire et en plus, comme il faisait beau... J'ai un papillon qui est passé genre là... Il s'installe partout dans le disquaire et en plus, comme le soleil était au rendez-vous, il pouvait se mettre en terrasse. Ils ont jusqu'à 21h pour produire des pépites musicales jusqu'à la session d'écoute. Pas de gagnant ou de perdant, juste du kiff et du partage, une belle rencontre entre tous ces talents. Au total, 35 beatmakers ont joué le jeu. 35 tabernacles, c'est énorme! Les gars ont ramené leur MPC en Bixi, les SP, les claviers, bref, c'était trop bien. Grosse créativité et énergie positive, ça fait du bien. Niveau style, on était principalement sur du hip-hop boom-bap, mais pas que, quelques propositions de prod trap, et des fois un peu plus expérimentales. Petit bémol, uniquement 2 filles sur 35 beatmakers, et encore du boulot. Hein. Allez, on se regarde un petit extrait. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez écouter toutes les prods sur le SoundCloud de Loop Session, je vous mets le lien dans le descriptif. Et à savoir, 180 grammes a lancé son white label Pépite Records, dont l'idée est d'aider des artistes underground qu'ils rencontrent entre autres au Loop Session et de sortir leur musique sur vinyle. J'y ai d'ailleurs chopé le premier vinyle de Maxime Robin, habitué des Artbeats et des Loop Session. On retrouve aussi les Loop Session à Bruxelles et aussi à Paris. Yes! La prochaine à Paris aura lieu d'ailleurs ce dimanche 1er juillet de 14h à 18h en mode barbecue. Je vous mets toutes les infos dans le descriptif, comme d'habitude, vous connaissez. Allez, pour finir, je vous laisse découvrir le son du poteau parisien Rafiki, qui a réalisé donc sa prod pendant la Loop Session à Montréal. C'était d'ailleurs le seul son house. Et en plus, il nous propose des petits pas de danse. C'est déprimant, regardez la télé. Ça va plutôt mal dans le monde.
très vite pour mon émission Le Cercle spécial rappeur de Montréal. Hosted Tabernacle.